Ouais, c'est parti. Yeah. On a lancé Game Fortnite. Le but de tester la nouvelle arme. Mais avant ça, faut la trouver. L'arbalète. Alors, c'est une arbalète silencieuse, si j'ai bien tout compris. Oh, c'est un bon début de game, ça. Ça, c'est un bon début de game, ça. Donc, ouais, arbalète silencieuse, c'est clairement l'objectif prioritaire. Donc, c'est-à-dire que dès que je vais l'avoir en main, Osef du top 1, tu vois. Dès que je l'ai en main, je vais jouer qu'avec. Enfin, sauf si je suis au corps à corps d'un gars, je vais pas commencer à shooter l'arbalète. Mais vous m'avez compris. Le but, ça sera de se mettre dans des positions où je peux en profiter un maximum. Et une fois qu'on aura testé l'arbalète, bah, je pourrais refaire des games top 1, quoi. Après, si on fait top 1 avec l'arbalète, écoute. Si on arrive à joindre l'utile à l'agréable. Est-ce que ça me posera un souci? Je ne pense point. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il y a une arbalète à burger? À burger? À Greasy Groove? Je pense que je suis tout seul à Greasy Groove. Plus personne vient à Greasy Groove depuis l'arrivée de Tilted Tower. Moi, j'ai juste drop ici parce que c'était l'endroit le plus proche et que j'ai quand même passé des très bons moments ici. Ouais. Arbalète! Ce n'est pas une arbalète. Oh non, je sais pas. Moi, je pars du principe qu'il y a personne. Hein. Je vais jouer zéro safe. Le but, c'est de tout très rapido et de se barrer. En espérant avoir une arbalète. La flemme de faire les petites caisses. Arbalète. Ah, s'il y a un mec là, il y a un mec ici aussi. Moi, je suis pas tout seul finalement. Nous avons au moins deux adversaires. En direct de Grazing Power, je suis en train de suivre le plus beau duel au monde. Oh là, le duel. Quel duel incroyable. Oh non, je vais pas mourir sur le... Mais là, il a quoi de bruit? T'as dit 6 HP. Enfin, j'ai hésité, vu que t'avais dit 6 HP, j'ai hésité à... Pourquoi j'ai pas tiré? Parce qu'à la fin, je me suis dit, est-ce que je fais le beau gosse et je le tue à la... Comment on appelle ça? À la machette, là. Et après, je me suis dit, bon, allez, déjà que le trade est horrible, si je meurs, je m'en voudrais toute ma vie, quoi. Ça serait trop dur à vivre. Bon, on voit bien que c'est ma première game de la journée, quand même. Hein. Je m'attendais pas à rencontrer... Oh, oh. Monsieur, je fais gratuit. Il va venir le loot, non? Il y a encore un gars. Ah, il est là. Allo? Je bosse mon AIM là, c'est pas possible. C'est passé avec ma sensi. Non, pourtant non, c'est... tout est normal, c'est juste moi qui ai du mal à m'y faire là. Mais bon, ce qui compte, c'est le résultat. Et pour le moment, on est encore debout. Oh! Oh le Saint Graal! L'arbalète! Oh, c'est un viseur. Donc elle existe en plusieurs coloris, j'imagine. J'arrive pas à me rendre compte de la taille du viseur. Bon, déjà c'est pas un item rare. On a trouvé déjà deux à Greasy Groove. Et nous avons l'arbalète, nous allons pouvoir tester. Donc comme je vous ai dit, le but là c'est pas de top 1. Bon, vous voyez bien de toute façon que je suis pas assez chaud là pour pouvoir top 1. Sauf accident. Ou peut-être que je vais me chauffer. Ce sera d'essayer d'avoir des kills à l'arbalète. Donc je vais faire pas mal de moments où je vais construire. Et je vais genre rester dans ma construction. C'est un gameplay que j'aime pas du tout habituellement. Mais pour pouvoir tester bien l'arbalète, bah, je vais devoir faire ça des moments. Je vais juste ne pas me faire fumer avant.
Ah ouais. Ok, ici tout a été récupéré. Le son du jeu est assez fort pour vous. Dites-le moi sur le chat. Ouais, munitions illimitées, ouais. Donc on remarque bien, munitions illimitées. Avec 5 balles dans le chargeur. Entre chaque balle, comme le sniper, vous devez recharger. Et ça va, le rechargement est assez rapide. Maintenant, c'est pas ce qu'il y a de plus important quand t'as ce genre d'arme en main. Ce qui est important, c'est les dégâts. Et les dégâts de l'arbalète, ils annoncent 75. Donc, est-ce que c'est 60... Ouais, je crois que c'est 75... On m'a dit partout dans le corps et la tête à voir. Mais du coup, logiquement, la tête devrait faire au moins 100. Je sais pas si c'est forcément doublé dans la tête ou c'est juste des dégâts améliorés. Il y a genre zéro bandage à Crazy Gros. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Ah. La balette est trop cheatée. Bah, je peux voir que le... Oh merde, j'ai plus la potion. Bro. Je suis pire des mongols. Pas fait gaffe. J'ai cru voir que le viseur a l'air assez impressionnant quand même. Je m'attendais à un truc plus petit. Ça a l'air nul de ouf, ça a l'air... Ouais, bah après à voir. Hein. Comme je vous dis, c'est censé remplacer le snipe. Logiquement. Enfin, dans ton stuff, quoi. Tu as soit ça soit un snipe. La popo rip. Ouais. Lucky. C'est ça de streamer les potos. C'est ça de streamer. J'ai lancé mon bandage en regardant le chat et finalement c'était une potion. J'ai même pas reconnu au bruit, tu vois. Ah ouais. Alors. Arbalète en main. Arbalète, premier kill à l'arbalète. Oh non, il a bougé. Putain, je pensais que c'était un AFK gratuit. Je voulais un mec gratuit. Oh oui! Oh non! Je vais faire mon premier kill à l'arbalète! Arrête! Mais putain, c'est vachement lent le projectile. Ça fait archi pré-shot. C'est bien, au moins il joue le jeu, putain. Moi. Voilà, tout ceci était prévu. Premier kill à l'arbalète. Vous pouvez clipper ça, on va envoyer ça sur Twitter directement. Merci pour le clip. Et puis on enchaîne directement maintenant que le kill à l'arbalète a été fait. Tout est débloqué. Le joueur français qui est dans une forme incroyable. Non mais c'est archi dur. Hein. Je vais pas vous mentir, c'est archi dur. Putain, c'est une galère hein. Oh. Et encore la première balle, je pensais que j'avais mis une tête, mais même pas en fait. Pour l'instant pas ouf hein. Première impression, pas ouf. Il y a un petit cœur trop mignon, ouais. Bah. On peut en voir énormément en game, je pense, des petits cœurs. Qu'est-ce que c'est dur. En fait le projectile est vraiment très lent. Ce qui fait que. Je dois encore plus anticiper les trajectoires. Mais attends, mais ça touche même pas l'arbre là. D'accord que je peux toucher tout ce que je veux. Genre là, ça va toucher là-bas. Y a pas une range où la flèche tombe au sol. Ah si, si quand même. Hein. Elle retombe pas mal. Hein. Voilà par exemple. Elle va quand même aller toucher au fond. Ok. Pas fan, hein. Il y a un gros bullet drop de loin, ouais, c'est ce que je viens de remarquer. Du coup, encore un point négatif pour cette arbalète. Mais tu vois, première game à l'arbalète, premier kill. Bon, après, le mec était gratos, hein, il a pas construit. À croire que tout ceci était, comme je vous l'ai dit, organisé, alors que pas du tout. Pas de dégâts aux structures. Ah, ça fait pas de dégâts aux structures, c'est pour ça du coup que j'avais cette sensation. Par contre, au moins, c'est silencieux. L'avantage, contrairement au sniper, c'est que c'est silencieux, ça fait aucun bruit. Un peu la range du truc. Là c'était trop bas. Oh je rigole gros. Ah ouais mais toi t'as pas une arbalète toi.
Ouais, c'est silencieux de spi, quoi, parce que... C'était... C'est silencieux, mais il n'empêche que tu vois quand même la balle passer. Donc, au bout d'un moment, tu comprends bien d'où elle vient, la flèche. Ah, une arbalète violette. Ça change quoi, du coup, si c'est 75 PV à chaque coup? Plus de dégâts? Ah, 79. Donc, ce n'est pas 75 tout le temps. J'ai lâché la machine gun. Ok, on va plutôt passer en double pompe. Double pompe plutôt. Ouais, voilà, là, c'est bon, je suis full stuff. Comme ça, je pourrais au moins assurer le top 1 au double pompe si je suis en galère. Waouh! Okay. Chasser. J'aurais peut-être dû prendre l'arbalète, mais bon. J'aurais peut-être dû prendre l'arbalète là, mais j'avoue que j'ai cherché la facilité. Tellement je sais que c'est galère l'arbalète. On serait voulu de le laisser vivre ce gars-là. Oh, et là tout le monde se dit, mais que va-t-il choisir entre une arbalète violette et un sniper doré. Bah écoutez, le choix est fait. Bien joué ma petite gueule. Combien d'HP là? Je pense qu'il est low quand même. Il a le temps de se remettre de shield avec 47 PV, ouais. Bah après il avait vraiment la hauteur de base, il l'avait pris. Bon en tout cas on aura au moins testé l'arbalète. J'avoue que je vais pas faire plus que ça vu comment l'item a l'air pas ouf. Pour être vraiment transparent avec vous, l'item est pas du tout incroyable. Que dire. Je sais pas, genre je vois pas la situation où ça serait mieux qu'un sniper. Après avoir, comme je vous dis, c'est la première fois que je l'ai en main, je viens de la tester là comme ça, je vous donne une réaction à chaud. Donc à voir après sur la durée, maintenant tu peux faire des trucs stylés j'imagine avec, donc ça peut être... Ouais ça peut être un peu clean pour tout ce qui est réseaux sociaux, des fois ils pensent aussi à ça comme le buisson sur le truc, c'était un peu pour créer des interactions spécifiques in-game plutôt que pour l'efficacité. Mais bon, voilà, c'était un petit test de l'arbalète, dites en commentaire ce que vous en pensez. Nous on l'aurait essayé, maintenant on va top 1, voilà c'est tout, ça m'a saoulé.